Namaskaram. Namaskaram à tous. Le nombre de cas confirmés d'infection a dépassé le million dans le monde. Plus de 54 000 morts. Aujourd'hui, c'est-à-dire au cours des dernières 24 heures probablement, il y a eu plus de 15 500 nouveaux décès dans le monde. Aux États-Unis, il y a plus d'un quart de million d'infections, plus de 6 000 morts. L'Espagne a dépassé ou atteint 11 000 morts. L'Italie, 14 000. L'Allemagne, environ 1 100. La Chine, 3 300. La France, l'Iran, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne approche les 3 000. En Inde, il y en a 72, ce qui est fantastique pour une nation de notre taille, grâce à toutes les mesures qui sont prises pour contrôler la chose. En même temps, quelque chose de très honteux s'est produit dans le pays ces deux derniers jours. Certains groupes de gens attaquent les médecins et les personnels médicaux qui viennent les soigner parce qu'ils ont leur propre système de croyance. Eh bien, à un moment comme celui-ci, où il y a vraiment une sorte d'urgence nationale, quiconque met la vie d'un autre en danger, il faut s'en occuper, avec poigne, parce qu'il ne s'agit pas de leur vie, ils mettent la vie de tout le monde en danger et mettent la nation sous tension, en particulier ceux qui attaquent les gens qui sont en première ligne, à risquer leur propre vie. La plupart des médecins qui travaillent dans ces endroits
ne rentrent pas chez eux tous les jours. Des hôtels comme Taj et d'autres leur fournissent des chambres. Ils restent juste à l'hôtel et repartent travailler, de peur d'infecter leur propre famille. Et beaucoup de professionnels de santé et de médecins sont morts dans le monde, y compris en Inde. Et dans une telle situation, ils sont attaqués quand ils arrivent pour vous servir. Cela doit être géré avec beaucoup de poigne. Si ce n'est pas fait, je pense que si chaque individu commence à se comporter selon ses fantaisies, ses goûts, ses systèmes de croyances, il n'y aura pas de nation. Il est très très important qu'à un moment comme celui-ci, j'espère que les autorités... Je sais que tous les départements qui pourraient agir sont mis à rude épreuve à l'heure actuelle, à essayer de maintenir ce confinement. Je le demande à chaque citoyen. Permettons tous à ce confinement d'avoir lieu de façon volontaire, pour qu'il n'ait pas besoin d'être imposé. Quand quelque chose est fait pour notre bien-être, pourquoi est-ce que ça devrait être imposé? En tant que nation, en tant que citoyen, levons-nous et faisons-le avoir lieu volontairement. Il n'est pas nécessaire que la police soit dans la rue. Faisons-le de nous-mêmes et veillons à ce que ça ne devienne pas une catastrophe majeure dans ce pays. Un pays avec une telle concentration de population, si les infections s'emballent, nous allons le payer trop cher. Trop cher, à tous les niveaux. Eh bien, quelles que soient les situations humaines, quels que soient les problèmes des hommes, quelles que soient les épreuves traversées par les êtres humains, la nature et la vie continuent à fonctionner telles quelles. Mieux en réalité. Sans les êtres humains, toute autre vie se sent mieux. Ce que cela dit de nous est triste. Vous avez vu le paon qui danse, bien d'autres choses qui ont lieu dans le monde. En termes d'émissions de CO2, certains... Je ne sais pas si quiconque peut réellement étudier la chose en si peu de temps, mais certains disent qu'elles sont revenues à ce qu'elles étaient juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire il y a environ 75 ans ou plus. Le niveau d'émission d'il y a 75 ans s'est revenu à ce niveau-là. Donc, les plantes et les arbres et les insectes et les oiseaux et les animaux et l'air lui-même sont heureux. Nos vies sont bouleversées et disloquées. Il y a un prix à cela pour nous tous. Mais réjouissons-nous au moins du fait que les autres vies aillent bien. Apprécions ces... toute cette vie qui souffrait à cause de nous, ces 3, 4, 5 semaines, peu importe le nombre, elles vont toutes bien. Nous devons au moins nous réjouir de leur bien-être. Comme moi aussi je suis juste une vie, moi aussi je vais mieux. Eh bien, j'ai un petit poème pour vous. Il s'appelle Cadence. Vous voulez le lire vous-même ou vous voulez que je vous le lise? Fruit flies buzz lazily.
The flutter of the butterfly has slowed to match the mood. A lazy tropical summer afternoon, gazing up at the magic of exquisite geometry of branches, twigs, leaves, and above all, the enterprising rays of sun finding their way through this magical mess. My innards tingle with rapture of pure life and willingness to merge into the very sword that I lay upon. La vie et la mort continuent. Quelles que soient nos situations sociales, quelles que soient nos préoccupations économiques, tout cela est important, mais le plus important, c'est la vie. Toutes les autres vies ont l'air heureuses. Je pense que vous devriez vous joindre à elles. Être heureux ne veut pas dire faire des choses irresponsables. Parce que lorsqu'on parle de célébration, les gens pensent toujours à manger, à boire. Aujourd'hui, les jeunes pensent que célébrer, c'est faire des choses irresponsables. Il y a une façon de célébrer. Une célébration n'est pas une activité en particulier. Si vous êtes un peu joueur avec la vie, chaque instant de la vie est une célébration. En particulier, quand les situations auxquelles nous faisons face sont graves, qu'elles menacent la vie. Dans de tels moments, si vous pouvez être enjoué, votre vie est définitivement une célébration. C'est le moment d'apprendre cela. Vous êtes dans le cocon de vos propres maisons. Parmi des gens qui vont vous attaquer pour chaque petite chose, mais ils n'ont pas l'intention de vous faire du mal, c'est-à-dire une famille. Ils n'ont pas l'intention de vous faire du mal, ce sont vos êtres chers, mais ce sont les plus critiques et ceux qui vous attaquent le plus sur chaque petite chose. Personne n'oserait vous attaquer sur des petites choses comme le fait la famille. Donc, c'est le bon moment d'apprendre à prendre ces situations avec gaieté, d'en faire un jeu et une célébration. Puissiez-vous vous rappeler de ces 3 semaines de vivre ensemble avec beaucoup de joie. Je suis sûr que de vous-même, vous allez recréer ces 3 semaines encore et encore, si vous en faites 3 semaines véritablement merveilleuses. Et si chacun d'entre nous se comporte de façon responsable, ça va être 3 semaines et pas plus. Mais si on se comporte de façon irresponsable, ça pourrait durer bien plus, et on va devoir le payer très cher à différents niveaux de notre activité. Des questions ? Sadhguru, la première question est de Mark Snow. Les risques immédiats et graves associés au coronavirus font oublier l'autre crise grave à laquelle nous faisons face, qui est celle du changement climatique. Sadhguru, pensez-vous que la communauté internationale va réussir à se mobiliser collectivement pour agir au niveau mondial afin d'éviter cette catastrophe, après nous être épuisés dans cette épreuve? Le changement climatique est un problème qui ne va pas disparaître parce que vous avez une infection virale. Le changement climatique est comme une infection virale pour la planète elle-même. Et le virus, c'est nous. Pendant longtemps, nous avons infesté cette planète à tel point que lentement, on lui ôte la vie. Tout comme nous sommes si... Vous savez, les populations sont terrifiées par ce virus.
toutes les autres créatures sur cette planète, chaque plante, ver, oiseau, animal, ils sont tous terrifiés par le virus humain. Oui. Beaucoup d'entre eux se sont éteints. Beaucoup d'entre eux sont en voie d'extinction. Donc, nos préoccupations liées au virus ne devraient pas nous faire oublier les autres problèmes que nous avons. C'est juste qu'en ce moment, il faut se focaliser là-dessus parce qu'autrement, ça pourrait devenir un très grave problème pour l'humanité. Parce que ça peut continuer pendant des mois ou des années. Si on ne le jugule pas, eh bien, vous l'attrapez, vous vous en remettez, quelqu'un d'autre va l'attraper, le propager, s'en remettre, le passer à quelqu'un d'autre. Ça peut continuer comme ça, comme une réaction en chaîne, jusqu'à ce que le virus lui-même mute en une forme plus douce, ce qui est en général la tendance, mais pas nécessairement. Donc, on ne peut pas oublier les autres problèmes que nous avons, en particulier celui du changement climatique. Lorsqu'on dit changement climatique, tout le monde ne le comprend pas pareil. Dans le cadre du mouvement Planète Consciente, j'essaie d'attirer l'attention sur une chose qui est l'aspect le plus important pour régénérer cette planète. Tout ce que vous voyez comme de la vie, il y a de la vie au-delà de ça aussi. Mais tout ce que vous voyez habituellement comme de la vie sur cette planète, des vers aux insectes, aux oiseaux, aux animaux et à la vie végétale, et nous-mêmes, tout cela vient uniquement d'une couche de 1 mètre de terre arable. Tout a lieu là-dedans. En dessous de ça, ce ne sont que des microbes qui sont importants aussi, mais on ne leur cause pas beaucoup de dégâts. Les vrais dégâts n'ont lieu que dans cette couche de 1 mètre de terre arable qui nourrit toutes les vies que nous connaissons. D'une fourmi à un éléphant, tout dépend de cette couche de 1 mètre. Non pas que ce qui est en dessous ne soit pas important, mais c'est là qu'un maximum de vie a lieu, et c'est là qu'un maximum de dégâts ont lieu. Il y a bien d'autres choses. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution sonore, il y a bien d'autres problèmes dont nous sommes à l'origine. Mais la chose la plus importante est de veiller à ce que cette couche de 1 mètre de terre arable soit riche en matière organique et en bonne santé. Si vous faites cette seule chose, le reste, la planète est capable de se régénérer elle-même et de gérer les autres problèmes, en grande partie. Eh bien, les gens vont en débattre. Ils peuvent débattre autant qu'ils veulent. Mais si vous voulez de l'action, une action qui apporte des solutions, alors c'est comme ça qu'il faut agir. C'est pour ça que j'essaie de convaincre beaucoup de forces importantes dans le monde, beaucoup de gens et d'influences importantes dans le monde, et diverses organisations dans le monde à participer au mouvement Planète Consciente pour attirer l'attention sur cette couche de 1 mètre. Mais quelqu'un se préoccupe de l'air à Delhi. Je ne dis pas que vous ne devriez pas vous en préoccuper. Cela aussi est une préoccupation. Mais à l'heure actuelle, la chose la plus importante sur la planète est de nous assurer que la désertification s'arrête. Désertification veut dire que l'on transforme un sol riche en sable. Parce qu'on vide le sol de toute sa matière organique, et ça devient du sable.
Une fois que cela a lieu, pour inverser la tendance, ça prendrait 100 ans, 200 ans, 300 ans pour le régénérer. Mais ça a lieu rapidement. 25% des sols de l'Inde sont maintenant considérés comme des friches. 42% des sols du Tamil Nadu sont considérés comme des friches. Ce sont toutes des terres très fertiles et riches. Mais aujourd'hui, elles sont en cours de désertification. Donc faire revenir la matière organique, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a que deux sources, les déjections animales et les feuilles des arbres. Il n'y a simplement rien d'autre à faire revenir. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Les gens parlent de technologie et de technologie. Les technologies peuvent être utilisées pour limiter les dégâts. Mais la solution se trouve uniquement dans le sol. Toutes les technologies dont on se plaint aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a 50 ou 100 ans, on disait que c'était ce qu'il y avait de mieux. Quand la première locomotive à vapeur alimentée au charbon est apparue, les gens ont pensé que c'est le plus grand miracle qu'on ait produit. Je n'essaie pas de m'en prendre à cela. Oui, ça a fait partie de l'évolution des technologies humaines ou de la gestion des technologies par l'être humain. C'est bien, on ne peut pas changer l'histoire de ce qu'on a fait. Mais à l'heure actuelle, la chose la plus importante est celle-ci. Tout le monde doit porter son attention sur les sols. Nous devons veiller à ce qu'il y ait autant de sols que possible sur la planète qui soient riches en matière organique. La seule façon d'y arriver est de remettre le sol à l'ombre pour que l'activité organique puisse sérieusement démarrer. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, à un endroit où il n'y a pas d'ombre, creusez le sol jusqu'à 25 cm et voyez comment il est. Allez à un endroit où il y a beaucoup d'arbres, ou dans une forêt, creusez le sol et voyez comment il est. Vous-même, vous le saurez. Vous n'avez pas besoin d'être un quelconque scientifique. Juste du simple bon sens va vous montrer que ce sol est riche et vivant, plein de vie. Le sol est l'habitat sur lequel des zillions de vies se développent. Grâce à cette vie en abondance, tout pousse. Nous avons à manger, les autres animaux grandissent, tout a lieu, parce que le sol est riche. Une fois qu'il n'y a plus de richesse dans le sol, vous avez renoncé à la planète de bien des manières. Mais les gens aiment attirer l'attention sur de petites choses. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Il est important que nous soyons au courant de tous les problèmes que nous avons. Mais à l'heure actuelle, quand il y a un besoin pressant de stopper ou d'arrêter la désertification dans le monde, s'occuper de petites choses pourrait devenir une trop grande distraction. Les ressources n'iront pas là où elles doivent aller. L'action n'ira pas là où elle doit aller. Ceci est arrivé une nuit. Shankaran Pillai dormait. Sa femme lui donne un coup de coude dans les côtes. Parce que vous savez, il y a un lien entre les côtes et les femmes. C'est du moins la croyance. Donc, elle lui donne un coup dans les côtes qui lui reste. Quoi ? Quoi ? Elle dit, j'ai entendu la porte grincer. Ah, ok. Il se rendort, rebelote, cette fois en le frappant, en lui frappant les côtes. Je te dis que je l'ai encore entendu, la porte a grincé. Quoi, tu veux que j'aille l'huiler maintenant ? Il y a un problème plus grave, ce n'est pas le moment d'huiler les gonds de la porte. Il y a un problème bien plus grave.
Le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est la dégradation des sols. Oui, il y a du carbone dans l'air. Eh bien, ils vous disent qu'en juste une semaine de confinement, c'est quasiment fini, tout va bien. Donc ces choses vont se régler très rapidement. Mais si vous endommagez les sols, les faire revenir prendra un ou deux siècles. Donc vous ne pouvez pas endommager les terres arables et penser que nous allons bien vivre en purifiant l'air. Non. Vous ne pouvez pas endommager les terres arables et penser qu'il va y avoir beaucoup d'eau dans le monde. Non. Il y en aura quelque part, mais elle ne vous sera pas accessible à vous. Si on veut éviter de vraiment bouleverser la planète et son équilibre, d'une façon qui ne soit pas incompatible avec l'épanouissement des civilisations humaines, comment se fait-il que les grandes civilisations n'aient pas fleuri dans le désert du Kalahari? Simplement parce que le sol n'est pas riche. C'est aussi simple que ça. Si on n'arrête pas la désertification, si on n'arrête pas la dégradation des sols, alors ce n'est pas que la planète va disparaître, mais elle ne sera plus propice à la vie des êtres humains. Donc, il est très très important de se concentrer là-dessus. L'empreinte humaine doit être réduite. Il y a beaucoup de choses à faire. La chose la plus importante est de réduire le nombre de pieds. Nous sommes trop de pieds. Nous sommes gentils, mais nous sommes juste un peu trop nombreux. Donc, la moitié du monde, ou un peu plus, est à la maison en ce moment. Tout à coup, il parle de toutes sortes d'indices, de la qualité de l'air, et ceci, cela, tout. Au début du XXe siècle, nous n'étions que 1,6 milliard de personnes. Aujourd'hui, nous nous approchons des 8 milliards. En 100 ans, ou un peu plus de 100 ans, eh bien, ça n'indique pas vraiment que nous sommes des êtres humains conscients. De toute évidence, nous vivons de façon très compulsive. Donc il est temps de s'attaquer à cela. Ce n'est pas que demain matin le problème de la population peut être réglé. Si on s'y attaque maintenant, dans les 30 prochaines années, vous constaterez le déclin nécessaire. Les gens voient la population comme un pouvoir. Les gens voient la population comme un pouvoir politique, un pouvoir industriel, comme une sorte de pouvoir économique dans le monde. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir, autrement, ce genre de pandémie et d'épidémie vont survenir et réduire notre nombre. Si on ne gère pas cela consciemment, la nature va nous le faire de façon cruelle. En ce moment, c'est ce qui se passe d'une certaine manière. Ça nous arrive de façon cruelle. Mais même cette calamité imminente peut être gérée consciemment pour qu'elle ne devienne pas extrêmement cruelle si tout le monde fait preuve de bon sens. Sadhguru, la prochaine question. Je vous en prie, lisez la question. Et de DJ Juan Cuba en France. Sadhguru, pendant toute notre vie, nous apprenons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure, nous développons des qualités et des compétences. Est-ce qu'elles disparaissent dans la prochaine vie? Est-ce qu'on doit tout recommencer? Est-ce que vous allez avoir vos talents de DJ dans votre prochaine vie? C'est ça la question? DJ. Il vient de France. Je suis sûr que je peux vous faire une blague. Un jour, un DJ français prend le train du coin.
by the local train. Et une mère avec un petit garçon, un écolier, est aussi dans le train, et il l'entend dire. Il s'appelait Alphonse. Donc la mère dit, tu dois faire tes devoirs aujourd'hui. Autrement, aimerais-tu écouter le spectacle Alphonse, Alphonse ? Le DJ a la poitrine qui gonfle. Il se sent fier que la mère recommande son spectacle à un enfant. Le garçon dit, non ! Alors elle lui dit, tu as intérêt à bien te tenir, autrement tu vas devoir regarder le spectacle Alphonse, Alphonse. Donc, les compétences que vous accumulez maintenant vont-elles aller dans ma prochaine vie ? Je pensais qu'il n'y avait que les Indiens qui y renaissaient. Les Français ne... S'il vous plaît, n'entrez pas dans ce genre de processus de pensée. La chose la plus importante dans votre vie, c'est de ne pas investir votre temps, vos pensées, vos émotions et votre énergie dans quoi que ce soit qui ne fait pas partie de votre expérience. Ce que ça veut dire, c'est que si vous investissez vos pensées et vos émotions dans quelque chose qui ne fait pas partie de votre expérience, vous allez commencer à halluciner. Vous allez déjà commencer à vivre votre prochaine vie alors que vous n'avez pas encore vécu celle-ci comme il faut. Alors, comment est-ce que je deviens un chercheur spirituel ? Recherche spirituelle veut dire ceci. Là où vous êtes en ce moment, imaginez que vous soyez ici, dans ces locaux. Vous voulez voir quelque chose qui est dehors, au loin. Vous n'allez pas rester assis ici à y réfléchir. Vous allez grimper à l'arbre le plus haut et scruter l'horizon. Vous allez voir un peu mieux. Et si vous restez assis sur l'arbre suffisamment longtemps, l'arbre aussi va grandir un peu. Donc vous allez voir encore un peu mieux. Donc c'est tout ce que vous faites en tant que chercheur spirituel. À partir de là où vous êtes, vous voyez quelle est l'étape suivante. Ne pensez pas à l'étape ultime, parce que vous allez commencer à halluciner. C'est tout ce qui est arrivé à la plupart des religions. Tout le monde pense à un endroit où aller, saccager cet endroit et aller ailleurs, où des choses rudimentaires sont offertes. Des choses rudimentaires. La façon dont les paradis sont décrits dans diverses religions, pour moi, c'est très clairement un endroit où je ne veux pas aller. À 100%. Parce que ça a l'air d'avoir été inventé dans la tête d'un homme grossier. Pas de place pour les femmes, enfin, à part en tant qu'objet. Il n'y a pas de place pour les femmes, parce que ces choses ont été fabriquées dans la tête d'hommes pervertis. Toutes les choses dont ils sont privés ici, ils les imaginent en grande quantité là-bas. Il n'y a vraiment aucune place pour les femmes. Vous vous en sortez mieux sur cette planète, ne pensez même pas aller au paradis. Moi, c'est sûr que je n'y vais pas. Pas parce que je ne suis pas éligible. Peut-être que ça aussi, c'est une question.
Simplement parce que ce n'est pas le genre d'endroit minable où j'aimerais aller. Les paradis que les gens ont créés. Ceci est... Ce que vous voyez ici est la création du Créateur. Ce qui est en moi est ma création. Celui-ci se sent toujours au paradis. Si vous gérez l'extérieur raisonnablement bien, l'extérieur aussi sera un paradis. Ceci est un paradis assuré. Les situations extérieures nécessitent d'être gérées, mais en les gérant un peu, elles aussi sont un paradis. Vous voulez aller ailleurs? S'il vous plaît, allez-y, mais pourquoi restez-vous ici en ce moment? On a besoin de distanciation sociale. Tous les gens qui veulent aller au paradis, s'ils s'en vont, ça va se faire naturellement. La distanciation sociale, c'est le besoin du moment, vous savez? Donc, Alphonse, comment s'appelle-t-il? Il ne s'appelle pas Alphonse. Juan Cuba. Ok. Mais, juste au cas où, si au lieu de vous redéposer sur cette planète en tant que DJ, imaginez qu'ils aient besoin d'un DJ au paradis. Vous y allez. On ne sait pas quel genre de DJ ils ont. S'ils sont arrivés avant ou si vous êtes le premier DJ à y arriver, je ne le sais pas. Est-ce qu'ils ont besoin de votre musique ou pas, je ne le sais pas. Sur cette planète, là, tout de suite, quoi que vous fassiez, que vous soyez en train de mixer quelque chose, quoi que vous fassiez, faites-le juste de votre mieux. Quoi que ce soit, peu importe ce que vous faites, une petite chose, une grande chose, ça n'a pas d'importance, faites-le à fond. Quand vous avez l'occasion de faire ce que vous pouvez faire, vous hésitez. Vous vous retenez pour pouvoir emporter vos compétences au paradis ou dans la prochaine vie. Les hindous veulent les emporter dans la prochaine vie, les chrétiens et les musulmans veulent les emporter au paradis. Non, s'il vous plaît, dans cette vie, quels que soient vos talents, quelle que soit votre énergie, quel que soit votre amour, quelle que soit votre joie, dépensez la fichue chose ici, complètement, absolument. C'est arrivé une fois. Vous savez, en ce moment, la Grande-Bretagne est durement touchée par ce virus. Ceci date un peu. Un jeune homme qui habitait à Londres, M. Bunbury, décide d'aller voir son oncle, qui vit à la campagne. Il ne lui a pas rendu visite depuis longtemps. De nombreuses années ont passé. Alors il décide de lui rendre visite. Parce que sa tante est décédée 18 mois plus tôt. Mais comme il était occupé, il n'avait pas pu y aller tout de suite. Maintenant, il décide d'y aller. Il y va et s'arrête dans une gare à une voie. Et puis il regarde aux alentours, l'endroit a l'air désert. Il y a un vieux monsieur qui est assis là. Alors il va le voir et lui demande, « Mon oncle Bunbury vit dans le coin. Pouvez-vous m'indiquer la direction de la ferme Bunbury ?» Andrew Bunbury. Le vieil homme lui dit, « Oh, Andrew, il est mort hier. Oh, comment a-t-il pu mourir?
Je suis venu passer le week-end avec lui. Le vieil homme regarde ce londonien, bien habillé, et lui dit, « Ah, peut-être qu'il savait que vous arriviez. » Donc il est mort à temps. Donc, en particulier maintenant, en cette période du virus, vous savez que vous êtes mortel. Vous l'êtes toujours, mais au moins maintenant, vous le savez à coup sûr. Donc, quoi que vous ayez, vos compétences, votre amour, votre joie, votre ingéniosité, faites-en preuve maintenant, s'il vous plaît. Votre capacité à faire des choses, faites-en preuve maintenant. N'essayez pas de l'emporter dans une autre vie. Qui sait, dans la prochaine vie, vous pourriez être un cafard. Pourquoi est-ce que vous riez? Ils disent que le cafard est une créature qui a survécu depuis plus d'un milliard d'années sur cette planète. Ce coup-ci, vous êtes né en tant qu'être humain. La fois suivante, vous pourriez revenir à votre forme originelle. Ce que je dis, c'est que les compétences de DJ ne seront peut-être pas utiles. Donc, faites-le maintenant, et faites-le bien. Donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites, de façon absolue, parce que c'est là qu'est la vie, dans l'implication. La vie est dans votre implication avec elle. Là où il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de vie. Donc, ne restez pas assis à inventer toutes sortes d'idées stupides. Vous ne savez pas si vous allez renaître ou pas. Vous avez juste lu des livres indiens. Vous ne savez à coup sûr pas si vous allez aller au paradis ou pas. Vous avez lu des livres. Laissez tomber tout ça. Débranchez vos cinq sens et ressentez la vie. Que dit-elle? Faites ça. Elle dit que vous devez vivre. Vivre et vivre totalement. Ça ne veut pas dire que vous devez faire quelque chose. Vivre totalement veut dire, est-ce que je dois faire la fête tous les soirs? Non. Vivre totalement veut dire explorer chacune des possibilités que la vie réserve à celui-ci. Chacune des possibilités que contient cette vie, vous devez l'explorer. C'est ça, vivre totalement. Maintenant, mais Sadhguru, il y a un confinement, comment est-ce que je vis? Je veux que vous le sachiez, et je ne fais que vous le rappeler, la vie n'a lieu qu'en vous. Ce que vous pensez avoir lieu autour de vous n'est qu'une illusion. Quelqu'un est assis ici, vous pensez que vous le voyez. Non. C'est juste que la lumière arrive sur lui, est réfléchie, est réfractée, et une image se forme sur votre rétine, c'est là que vous le voyez. Vous ne voyez rien ici. Toute expérience de vie, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, les émotions, la joie, le malheur, la souffrance, l'extase, la douleur, le plaisir, tout a lieu en vous. Plus vous devenez vivant, plus vous devenez tourné vers l'intérieur. L'activité extérieure n'est qu'une expression. La vie a réellement lieu ici. Donc, le confinement est une période fantastique. Vous ne devriez pas appeler ça un confinement, ce n'est pas un confinement imposé par le gouvernement. C'est votre pratyahara, une étape importante dans votre développement spirituel.